Aujourd'hui, il est question d'urgence. Face à l'urgence climatique, les entrepreneurs corporate et financeurs s'organisent. L'autre urgence, c'est celle d'un événement mondial, les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui oblige de nombreux acteurs à réaliser en un temps record ce que certains auraient qualifié d'impossible. Il y avait donc urgence à les réunir pour témoigner témoigner pour faire un constat, témoigner d'un premier bilan, mais aussi partager des perspectives pour chacune et chacun d'entre nous. Je dois l'avouer, les échanges préparatoires de cette émission m'ont passionné. Pour cette troisième causerie des meneurs dédiée à l'impact environnemental dans le sport, je vous propose d'accueillir Chloé. Max, bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes chef de projet Jeux olympiques et paralympiques chez Enedis, qui distribue aujourd'hui l'énergie sur 95% du territoire. Maël Besson est également avec nous. Bonjour Maël. Oui. Vous êtes fondateur de l'agence 1.5 en référence à l'accord de Paris sur le climat, ancien responsable sport du WWF et expert de l'environnement dans le sport. Jean-Claude Baird, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, vous êtes le CEO et repreneur de Metaluplast. Vous êtes fabricant de pièces de métal dédiées au monde du sport. Et enfin, Lucien Boyer est avec nous. Bonjour Lucien. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la Global Sports Week et funding and managing partner of 2. Euh, of Inspiring Sports Capital, euh, donc bonjour à vous quatre, merci d'être là à nos côtés. Pour ouvrir le bal et pour euh, qu'on touche du doigt ce qu'on entend derrière l'urgence et euh, ce qu'on appréhende, euh, qu'on apprend mieux, l'impact direct, indirect, positif, négatif du sport sur l'environnement, ben, je me tourne vers Mel Besson. Euh, Mel, quand on aborde un événement sportif d'ampleur comme celui des JO, euh, de quoi on parle quand on parle d'impact alors il y a plusieurs typologies d'impacts environnementaux de, des grands événements sur, sur l'environnement. Il y a évidemment euh, l'empreinte carbone, le, le bilan carbone de, de l'événement. C'est principalement, euh, le plus gros poste, c'est le, les transports aériens, enfin les transports de manière générale avec une part du transport aérien assez importante. Euh, sur les événements où il y a des constructions, ben, la part des constructions est assez importante parce que souvent le, 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 le ciment, le béton est fortement émetteur de gaz à effet de serre. D'où l'importance d'avoir des bâtiments qui restent, qui durent, qui sont d'en construire peu, et de oui. Euh, oui, les amortir sur le long terme, de ne pas les avoir juste pour un événement et ensuite, euh, ensuite plus les utiliser. Euh, et ensuite, on a, on a des émissions de gaz à effet de serre euh, par l'ensemble de l'organisation. Et puis, assez après, on a d'autres types d'impacts hein, sur la biodiversité, notamment par l'alimentation, euh, par certaines euh, épreuves qui peuvent se passer en site naturel. Euh, on a d'autres impacts comme bah, les pollutions plastiques, la consommation d'eau, les produits phytosanitaires pour les pelouses. Voilà, on a pas mal de, de typologies d'impact qu'on peut avoir euh, des grands événements en direct sur l'environnement. Et puis, il y a une sorte de d'influence sur nos consommations que les grands événements ont. Euh, un sportif qui, qui boit euh, à une bouteille en plastique, euh, à l'écran, euh, son impact environnemental n'est pas d'une bouteille en plastique, il est de X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation. C'est pour ça qu'il y a autant d'investissements sponsoring. Donc, il y, a, il y a cette question de quel est l'impact. Dans la construction de nos imaginaires, de nos idéaux de pratique, de nos consommations euh, sur euh, l'empreinte de notre euh, société. Donc, on parle aussi d'impact sur les mentalités, à la fois positives potentiellement, mais, euh, mais aussi. Complètement. Négatif. Et c'est ce qui est riche avec euh, les grands événements comme ça c'est qu'ils ont un pouvoir d'influence. Positif ou négatif, il y a plein d'aspects positifs aussi euh, sur nos comportements, nos citoyens, nos, 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 nos manières de, de penser, notre notre culture, et, euh, et on peut l'utiliser de manière plus ou moins positive. Lucien, je vous vois réagir sur l'impact positif que peut avoir le sport avec la Global Sports Week. Vous partagez la conviction simple mais importante que le sport peut répondre aux enjeux actuels du monde et devenir un moteur de progrès et d'innovation. Comment on peut faire pour que ces Jeux soient le top départ, si c'est pas déjà le cas, d'une course non pas au profit mais au profit du progrès et de la planète Je pense que ça a commencé il y a sept ans, depuis que les Jeux ont été attribués à Paris, il y a eu la prise en compte de cet enjeu, y compris dans, la, dans le dossier de candidature. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'élabore dans le temps et la planification pour arriver à délivrer quelque chose nécessite beaucoup d'anticipation et beaucoup d'évolution. Parce que euh, la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui est établi et qui a euh, des, euh, des fondements qui sont euh, par nature euh, très très impactants. Euh, les Jeux Olympiques en font partie, mais comme la façon dont on vit dans la ville et dans la vie euh, quotidienne euh, urbaine euh, d'une société très matérialiste et consumériste. Donc, il ne faut pas s'éloigner complètement de ça. Néanmoins, au milieu de tout ça, quel est le rôle que le sport peut avoir Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et le sport, en fait, par nature, est un univers de euh, de bien-être qui recherche une sorte de bien-être pour les personnes. Et donc, les personnes, elles sont jamais euh, totalement déconnectées de leur environnement. Donc, fondamentalement, il n'y a pas que les sports outdoor. Même si les sports outdoor sont probablement les lieux où il y a le plus de prise de conscience, enfin historique en tout cas, et puis probablement. Euh, Évolutive parce que la nature est tellement impactée qu'on s'en rend compte euh, dans la pratique de ce sport, mais même les sports euh, plus traditionnels ils ont euh, de facto euh, euh, une interaction avec, euh, avec l'environnement. Euh, un événement aussi impactant que les Jeux Olympiques, c'est sûr que la meilleure manière de diminuer l'impact, c'est de ne pas les faire, et c'est des choses qui se disent de temps en temps. Mais si on les fait et si on les fait, autant les faire le mieux possible et utiliser cette immense caisse de résonance. Pour, euh, non pour, passer seulement, des messages. pour passer des messages mais euh, élaborer des solutions qui ne sont pas des prototypes, qui ne sont pas en laboratoire, qui sont en grandeur nature et qui sont exposées au risque d'être euh, un succès ou si ça ne marche pas aussi bien, euh, un problème donc ça nécessite énormément de travail et moi je voudrais saluer simplement euh, le, les promesses qui ont été faites et la première global science week c'était en 2020 c'était juste avant le Covid et Dieu sait s'il y a eu quand même des Épreuves sur le chemin de la préparation des jeux, et aujourd'hui on est en 2024. Et euh, eh bien, il semble que dans la manière dont les jeux vont être délivrés, les promesses vont être tenues sur le plan des efforts et donc de l'exemplarité dont, dont il est question. Et c'est ça le point clé. Vous m'aviez proposé une transition parfaite pour Chloé, mais je vois mail qui, qui réagit. Et euh, je, te, je te laisse le. Non, je, je voulais ouais. rebondir parce qu'en fait, euh, j'ai eu la chance de, de participer à pratiquement toutes les étapes de, de Paris 24, euh, même à la pré-candidature. Et... Le, le plus gros, euh, dire, potentiel de réduction et de, c'est d'avoir eu cette approche de dire, mais en fait, si on fait ces jeux, on les fait au service de quel projet de société Et on a besoin de se projeter sur un, une, une société qui est décarbonée, qui s'adapte au changement climatique et tout ça. Et les, les fondamentaux des réductions euh, d'impact de, de, de Paris 2024, euh, notamment bah, construire peu, par exemple, euh, sont venus du concept même de l'événement au départ. Et en fait, c'est au moment où on définit l'événement. Mais dans n'importe quel projet hein, de produit, Donc dès la de, candidature, que, que ouais. finalement on conçoit le concept qui va servir un projet de société, Chloé. Euh, J'avais prévu, tu, tu veux réagir? Oui, non, tout à fait. Euh, le, je pense que le concept euh, il est à la base, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est vrai que côté NEDIS, nous on a travaillé sur ce qui reste finalement à traiter une fois que le, les bases ont été euh, posées et on a découvert à cette occasion finalement que les événements sportifs étaient alimentés par groupe électrogène. C'était une vraie découverte, et je pense que ça toi aussi reste tu l'as découvert, parce que moi je l'ai découvert quand on a échangé ensemble. Ouais. C'est-à-dire que le, le stade de France, les, tous les lieux aussi où se, se tiennent les grands événements en fait, euh, bon. sont alimentés, sont pas branchés sur l'électricité, enfin sur le réseau mais fonctionnent sur le Alors elles sont branchées sur le réseau parce que quand il n'y a pas d'événement, c'est quand même le réseau qui fournit l'électricité. Mais pendant l'événement, les usages les plus critiques sont alimentés par des groupes électrogènes. Et ça, c'était vraiment une découverte parce qu'en euh, France, les grandes installations sensibles, que ce soit des hôpitaux, des prisons, etc., fonctionnent sur, sur le réseau. Donc, euh, donc grande découverte et aussi grande première parce que c'est aussi euh, ce qu'on va changer avec les jeux, c'est de permettre euh, finalement de démontrer que c'est possible de faire autrement. Et c'est un vrai challenge. On en a parlé. C'est un vrai challenge. C'est un challenge pour Enedis parce qu'il faut qu'on raccorde ces installations dans les temps. Il y a des travaux à faire, on sécurise. Mais c'est avant tout un challenge pour le monde de l'événementiel sportif parce que c'est changer radicalement ces pratiques. Vous m'avez dit le, le réseau électrique permet de réduire 90% de l'encreinte carbone liée à l'énergie. Dit comme ça, ça a l'air simple. On va simplement passer du groupe, du groupe électrogène au raccordement au réseau. Mais c'est Défi énorme et à différents niveaux de mentalité, de construction. De, enfin, je veux bien que vous, oui, vous nous racontiez déficit... l'épopée oui, parce que et encore une fois dans un temps record. Oui, c'est une véritable odyssée. C'est euh, un peu pour reprendre une image et que chacun puisse un peu visualiser ce que ça représente dans un stade, une arena. C'est un peu comme si dans votre cuisine, finalement, votre four fonctionnait sur groupe électrogène et que vous décidiez de le raccorder au réseau. Et donc, bah, chez vous, il faudrait faire une belle percée dans le mur avec un câble qui va depuis votre tableau jusqu'à votre four. Donc là, vous avez déjà des, des sueurs, rien qu'à l'idée de penser à ces travaux et l'entrepreneur que vous allez choisir, etc. Bah, imaginez dans un stade où il y a des événements tous les jours, où il y a une complexité d'intervention, euh, où il faut se fournir en matériel électrique, alors que le marché est extrêmement tendu, puisqu'en fait, euh, la transition énergétique euh, de par le monde, ça se traduit par une électrification des usages et donc par des matériels électriques euh, qu'il faut, euh, qu faut trouver. Donc pour, euh, pour les infrastructures qui font ce pas-là, c'est une une vraie révolution. Et pour les gens qui vont conduire l'événement, c'est aussi une révolution parce que d'habitude, ils avaient une personne qui était à côté du groupe électrogène qui regardait ce qui se passait, qui intervenait. Et avec l'utilisation du réseau, on est sur une infrastructure un peu invisible, puisque les câbles, vous ne les voyez pas au quotidien. Et donc, c'est une approche qui est différente. C'est une manière de travailler qui est différente, qui demande beaucoup plus de collaboration entre le distributeur Enedis et celui qui opère, qui qui conduit, qui délivre l'événement comment euh, on arrive à changer les mentalités, à convaincre justement ces lieux de se transformer, euh, de percer un trou dans le mur, <laughs> de décaler le tableau et, et puis finalement de, de se projeter peut-être sur le long terme, parce que c'est des travaux conséquents. Ouais, complètement. complètement. Bah, je pense que ça, ça a été dit, mais elle l'a dit, à la conception de, de l'événement, dès la candidature, l'ambition carbone était, euh, était, une des, enfin, était au cœur du projet. Et donc, il euh, y a eu, euh, dès le début, en fait, ce travail. De, de discussion, d'échange, de compréhension. Et puis, je pense que le, la phase de preuve, en fait, est assez essentielle. Euh, donc, il y a des événements euh, avant les Jeux qui ont fait cette démonstration. Et donc, je pense beaucoup à Courchevel, euh, il y a un an, un peu plus d'un an. Où, ça a euh, rassuré les. Bah, en tout cas, ça a montré que c'était possible. <laughs> et donc, du coup. À ah, un an des Jeux, c'est mieux. <laughs> c'est un an des Jeux, voilà. Et, et il y a beaucoup aujourd'hui de festivals, <laughs> l'été dernier, qui ont fait le pas d'avoir une grande partie de, de leur alimentation électrique qui viennent durer. Réseau. Donc je pense que quand on arrive à montrer que c'est possible, déjà on démystifie euh, et donc ça aide les acteurs à s'approprier la manière dont, dont il faut changer. Si je refais la timeline, on, parlait, on a mal parlé d'un projet de société au moment de la candidature. C'est-à-dire qu'à stop départ, Enedis se projette déjà sur comment on va pouvoir accompagner cette réduction d'empreintes carbone sur notre domaine, qui est celui de l'énergie. Et là commencent les premiers échanges avec les lieux. Si certains lieux avaient dit non, ils étaient exclus des jeux. Enfin, c'est. Alors c'est aussi, on y reviendra peut-être, toute la complexité du, du monde sportif, c'est qu'il y a énormément de parties prenantes et donc les décisions souvent sont collectives. Euh, donc je nous, euh, et le Paris 2024, en fait, est venu nous chercher en 2019. Euh, et d'abord, dans une logique de comprendre si c'était possible, euh, avant de décider que ce soit possible. Donc, c'est vraiment une décision de Paris 2024 de poser cette ambition. Et après, les infrastructures, finalement, ont, ont cherché à se raccrocher à cette ambition dans un dialogue qui était mené avec Paris 2024, avec nous, souvent la collectivité est un acteur assez fondamental. Donc, bon, c'est une histoire euh, euh, qui a été riche, parce qu'encore une fois, il faut revenir au fondamental comprendre, entrer dans des détails techniques, euh, des détails logistiques aussi. Euh, et finalement, un stade, une arène, c'est une PME, donc euh, elle n'a pas forcément les moyens d'investiguer en profondeur un sujet. Elle a besoin d'un accompagnement. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que le rôle des collectivités, de l'organisateur de l'événement et de toutes les parties prenantes qui va y avoir autour sont extrêmement importants, dont, dont les sponsors, dont les, les partenaires de l'organisateur. Quand On évoque les, les transformations menées par des grands groupes comme le veau des grands industriels. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs là qui nous regardent, et d'ailleurs, je le précise, on répondra aux questions que vous pourriez avoir et que vous voulez poser à, à nos quatre intervenants. Euh, mais j'imagine certains n'arrivent pas à se comparer en se disant euh, je suis trop petit pour avoir un impact, je suis trop petit pour être concerné, ou simplement je n'ai pas les moyens d'un grand groupe. Et on a bien compris que c'était pas simple et que c'était une grande transformation et un gros défi pour vous. Euh, mais je trouvais ça intéressant du coup de me tourner vers Jean-Claude. Euh, Jean-Claude bert vous, vous ne dirigez pas une multinationale, euh, vous êtes un industriel, entrepreneur avec Métal et vous travaillez l'aluminium, l'acier, euh, pour produire en France des équipements euh, dédiés au monde du sport. Euh, but, de, but de foot, pardon, abri de touche, poteau de volet, de rugby, de basket, clôture pour euh, bloquer les balles de golf, les ballons en tout genre, euh, les structures des city-stades ou de foot-soccer, donc tout ça c'est vous. Donc à chaque fois que j'ai marqué un but dans ma vie, c'est grâce à vous et je penserai à vous la prochaine fois. Bref, hein, en tout cas, vous travaillez sur des matériaux, et je vous cite, qui sont par essence polluants. Euh, je suis curieux de savoir comment un industriel comme vous bah, prend sa part pour faire face à l'impact environnemental de son métier et comment vous allez travailler cette transformation. Alors, vraiment, là, de long terme, euh, c'est un vrai engagement euh, de la part de, de votre boîte. Euh, alors, oui, c'est des convictions. À ouais. la base aussi, c'est un peu des convictions personnelles. Euh, et puis après, c'est aussi. Euh, Simplement, le, le fait de constater que, que si on ne se projette pas à, à 5 ou 10 ans euh, en disant qu'il faut changer les choses, euh, bah forcément, on va se le prendre. On, on sera se prendre rattrapé main. par une loi euh, ou des donneurs d'ordre qui diront bah, je ne travaille plus avec toi parce que tu ne réponds pas à tel ou tel ou tel critère. Okay. Bon, donc, voilà. ouais. donc, euh, donc euh, cette prise de conscience, là fait qu'à un moment donné, on essaie d'analyser un peu euh, euh, bah, son empreinte carbone, entre guillemets. Euh, C'est pour ça qu'on a... On a, nous, fait euh, un bilan carbone euh, l'année dernière, en fait. Euh, et puis pour constater après que finalement, il euh, y, y, y a le choc du bilan carbone, en fait. C'est-à-dire que quand on voit son bilan carbone, on se dit, ah oui, d'accord, ok. Mais là-dedans, moi, je ne maîtrise rien. Parce que globalement, le bilan carbone de Métal-U-Place, c'est 90% du carbone qui provient des fournisseurs. Euh, donc, nous, on est, euh, voilà, nous, on est un nain de jardin. Moi, quand je, commande, quand je commande 1000 tonnes d'acier par an, euh, euh, ça fait rigoler tout le monde. Enfin, en tout cas, les, les, les grands fournisseurs d'acier, euh, je peux pas leur dire voilà, moi je veux, je voudrais que mes tubes ils soient euh, en green steel. Ils me disent bah, ouais, mais tu as combien de milliers de tonnes donc euh, pour ce tube-là. Donc, donc autant dire qu'on a, on a, on a assez peu d'impact direct. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dessus. Et c'est euh, ce que vous avez fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. Ouais. Euh, on on s'aperçoit que par exemple, soit la filière aluminium, ils sont plutôt bien organisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on, quand, on quand on va voir les fileurs et qu'on leur dit, voilà, est-ce que tu peux me dire combien d'aluminium recyclé dans, dans, dans ce que tu me livres, il est capable de nous donner des éléments. Euh, sur l'acier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y a une filière à, à accélérer voilà, sur la, la partie... Ils, ils ont beaucoup de progrès à faire sur, sur, sur ce sujet-là. Euh, mais à la fin, on s'aperçoit quand même que, que nous, on peut travailler sur les 10%. Et, et, la, et la conviction, et alors, bon, en tout cas ma conviction à moi, c'est que, que même si on ne peut pas faire grand chose, il faut quand même faire des choses. Euh, donc sur ces 10%-là, euh, bah, si on arrive à les réduire de manière plus ou moins importante et que chacun euh, des fournisseurs fait la même chose, bah, les fournisseurs d'acier, s'ils arrivent à, à peut-être avec l'hydrogène ou autre chose, à, à diminuer effectivement l'empreinte carbone, bah, peut-être que nous, à ce moment-là, bah, on en bénéficiera. Et, et, et à ce moment-là, on choisira des fournisseurs euh, qui seront plus à même de nous, de nous aider dans notre dans une quête de la décarbonation, entre guillemets que je trouvais intéressant dans l'échange qu'on a eu, c'est euh, cette notion de, de, de durée euh, et, euh, et d'équilibre à trouver, parce que vous m'avez dit pour, on parle de buts de foot, de, de grosses structures mm -hmm. en, en métal, en aluminium aussi, en acier, euh, mais pour que ce soit robuste et que ça dure dans le temps, bah, il faut quand même un minimum de masse, mm -hmm. euh, et sinon ça voudrait dire qu'on les change peut-être toutes les trois semaines ou tous les ou tous les ans, et auquel cas c'est pas non plus euh, très vertueux pour l'environnement. Donc c'est aussi cet équilibre. C'est la difficulté en fait, ouais. hein, c'est que c'est que effectivement on sait faire euh, on sait faire des buts de foot super robustes, enfin des structures super robustes, mais à ce moment-là il faut plus d'acier euh, et s'il faut plus d'acier, ben, forcément on a un bilan carbone du produit qui est, qui est beaucoup plus élevé, ou alors effectivement ben, on, on fait un peu moins robuste euh, et c'est juste équilibre à trouver en, en, entre la durée de vie du produit et le fait qu'il faille le remplacer. Okay. Pour euh, vos dîners en ville, vous qui nous regardez, sachez qu'un poteau de foot euh, dure en moyenne 13 ans. Je ouais, trouvais ça. ça une information ouais. particulièrement importante. La moyenne. Ouais, moyenne. Euh, Jean-Claude, vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, vous avez fait un bilan carbone. En l'occurrence, vu la taille de votre entreprise, vous n'étiez pas obligé de le faire. Non, c'est vrai. Ouais. Et euh, vous m'avez dit que le, le résultat pardon, est souvent dur. Oui, le, le rétail est dur, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, euh, nous, en tout cas, sur Métal-U-Place, on peut jouer sur 10% de notre, notre bilan carbone directement. Ça ne veut pas qu'on n'est pas capable de, de choisir des fournisseurs et puis d'essayer d'influencer les fournisseurs, mais compte tenu de la taille on n'a quand même pas beaucoup d'impact. Par contre, effectivement, sur les, sur les 10%, euh, on peut quand même travailler. Euh, nous, euh, voilà, on, a, on, a, on a des fours, on consomme beaucoup de gaz, euh, on consomme bien évidemment l'électricité. Euh, et en tout cas, on s'est attaché, nous, à, à essayer de réduire cette empreinte carbone. Donc on a, euh, on a mis en place du photovoltaïque. Là, on a à peu près 12% de l'électricité qui est euh, consommée par une telle place qui est, qui est, qui est, euh, est produite par, par, par cette centrale. On a un objectif à la fin 2024, est à 37%. Donc, on va continuer le déploiement euh, euh, du photovoltaïque. Avec un héroïde, très honnêtement, qui est quand même pas génial. Hein. On, donc, s'il n'y a pas de conviction un peu derrière, euh, bah c'est compliqué. Ouais. Ouais. compliqué. Mais bon, euh, c'est là, là où il faut, il faut aussi... Euh, euh, bah, se dire que, que ça, ça nous concerne tous et après sur le gaz voilà, on a, on a, on a fait des études on a, on a mis en place euh, on va mettre en place euh, courant de cet été euh, ce qu'ils appellent la chaleur fatale dans la, la récupération de, 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 de chaleur pour pouvoir diminuer notre consommation de, de gaz, pareil avec une promesse de calculs qui ont été faits mais sur lesquels bah, on voit bien qu'on est borderline et que globalement bah, peut-être qu'on ne sera pas au rendez-vous euh, et que finalement le ROI sera vraiment, euh, vraiment pas bon. Ouais. Mais il y a un moment donné, il faut, il faut aussi savoir prendre ses risques et puis se dire que. Bah, c'est le voilà, sens de l'histoire. Voilà. Si je résume, le principal levier sur lequel on peut travailler aujourd'hui, c'est sur cette notion de recyclage euh, des, des matériaux. Euh, vous me disiez qu'il y a peu de pertes mécaniques de l'acier euh, ou de l'aluminium et qu'en fait, on oui. peut quand même avoir un cycle de réutilisation oui. des produits. Il, il euh, peut y avoir un cycle vertueux parce qu'effectivement, oui. que ce soit l'aluminium ou l'acier, c'est quand même très recyclable. Donc, ça veut dire que derrière, il faut mettre du tri, il faut mettre un certain nombre de choses, il faut, faut mettre de la récupération pour pouvoir effectivement réutiliser ça. Effectivement, mais alors... Maël Oui. Le, 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 le recyclage, il y a la conception, hein, oui. la durée de vie du produit, ça a parlé, c'est le principal axe, quand même, de réduction de l'impact d'un produit sur son environnement. Le recyclage, c'est une bonne solution, mais ce n'est euh, pas neutre. C'est-à-dire qu'il faut euh, du transport pour récupérer les produits et les amener. Il faut De l'énergie, pour... bien sûr. Il y a toujours dans cette euh, image de, de, de circularité matière, mm. parce que c'est une circularité matière, et en fait, il y a toujours de l'intrant, euh, finalement, en énergie, en certains produits pour le nettoyer. En certains... donc, euh, donc voilà, en tout cas, je. je, je... Je veux pas qu'on reste sur cette idée que c'est que recyclage le recyclage ne suffit pas. Ouais, L'éco-conception et notamment, euh, j'allais dire l'amortissement le, le, du poids carbone sur la durée de vie ou le nombre d'usages est, euh, est très très important comme indicateur. Ouais. Lucien, transformer nos industries, nos modes d'approvisionnement, de conception, de fabrication, de distribution, ça demande quand même beaucoup d'investissements. Jean-Claude parlait de, de ROI aussi. Ouais. En tant qu'investisseur, vous avez un regard assez global sur la mobilisation des, des différents acteurs et puis sur leur capacité à la fois d'exécution et de transformation. Où est-ce qu'on en est et comment les investisseurs comme vous jouent leur rôle pour accompagner ces acteurs D'abord. Il faut rappeler que les investisseurs ont un, un rôle assez, enfin un impact assez important. Il y a plus de 40 milliards d'euros d'investissement, euh, euh, près de 10 000 entreprises en France à travers les, les fonds et les investisseurs professionnels. Donc c'est un, 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 une responsabilité une influence qu'on peut avoir. Donc ça, c'est une première chose. Nous, Inspiring Sport Capital, on est uniquement dans l'univers du sport. Donc je ne pourrais pas trop euh, m'exprimer pour. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour chez les meneurs. Mais pourquoi <laughs> on est dans l'investissement sur le sport Parce qu'on a une conviction profonde. Sur ce territoire en termes de, de croissance économique et durable, et aussi sur l'influence du sport dans la société. Et c'est un des points que je voulais évoquer c'est qu'en fait, quand on est exposé, parce que justement, on est sur un univers de passion des gens qui leur importent, et qui soit mobilisent les foules, soit mobilisent les personnes, hein, dans un cas comme dans l'autre, c'est très important pour chacun, eh bien, on est attentif à la manière dont se comportent les différents acteurs qui vous vendent des produits. Et donc le retour sur investissement, il vient aussi beaucoup de la manière dont la demande va réagir, à la manière dont l'offre va être produite et, et va considérer des enjeux qui ont un impact dans la vie des gens. Et c'est pour ça que je pense que progressivement, en fait, le retour sur investissement, il va se calculer aussi parce que les mentalités d'achat vont évoluer. évoluent déjà. Je pense que le consommateur, en fait, la réalité, c'est le citoyen consommateur, et surtout dans les nouvelles générations, se pose de moins en moins de questions et est de plus en plus convaincu de la nécessité de faire évoluer les choses dans son mode de consommation, mais aussi dans le choix des produits qu'il fait. Et donc, pour revenir à la réalité de l'investissement, dans notre tour sur l'investissement, on envisage l'évolution de la demande. Et cette demande, elle, elle, est, elle est clairement dans une trajectoire de euh, mettre au centre des euh, choix euh, des produits euh, qui sont de plus en plus vertueux. Donc, avec une fabrication et avec un soin, et c'est là où c'est complexe, c'est qu'en fait... C'est dans les détails. C'est-à-dire que ce que disait Jean-Claude est c'est-à-dire qu'une entreprise à son niveau, elle n'a qu'une marge de manœuvre assez limitée. Elle est obligée d'avoir beaucoup d'intrants, elle a de l'énergie qui vient d'ailleurs, elle a toute une série de euh, process qu'il faut établir, et donc sa marge de manœuvre est limitée. Et si on ne fait pas un travail d'analyse du cycle de vie très fin, ouais. très, très précis sur l'ensemble des dispositifs, finalement, on peut pas, on, on, on baisse les bras et on se dit, bon, on ne peut rien faire, on est juste. Un maillon d'une chaîne incontrôlable. Donc, ça, c'est un point important. Et toute entreprise, à quel que soit son niveau, a réellement euh, des choses à, à réaliser. Nous, on, à titre d'exemple, on, on a investi dans, dans le groupe Millet, euh, avec les marques Millet et La Fuma, qui donc, fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, dans une, un chantier qui fabrique des bateaux, CDK Technologies. Euh, qui fait euh, un peu enfin, moins de 20 millions. Disons. Donc ces deux entreprises qui n'ont pas du tout les mêmes dimensions et les mêmes capacités, et pourtant toutes les deux ont des démarches très, euh, très engagées. Alors l'une c'est la mer, et euh, en effet il y a un impact très fort euh, que racontent d'ailleurs les marins, et donc s'ils vont eux-mêmes sur des bateaux. Ils sont pas vertueux, ils ont un, une, une contradiction qui leur pose un problème et qui est repéré par les médias. Parce que le, le sport, en fait, c'est une caisse de résonance, c'est une loupe. Et tout à l'heure, on parlait de, du rôle de Paris 2024. C'est des nouvelles solutions. On est obligé d'aller chercher de nouvelles solutions. Donc, même une entreprise d'une petite dimension va être obligée de réfléchir. Et la durabilité, bah, par exemple, ces bateaux-là. Il construit des bateaux. Il y en a un pour le prochain Vendée Globe. Ça sera son quatrième Vendée Globe. Et pourtant, il reste assez performant. C'est le bateau avec lequel Jean Le Cam est arrivé quatrième au dernier Vendée Globe, et il date d'il y a une vingtaine d'années. Donc, en effet, l'évolution de la technologie permet d'assurer la, la, la longévité. Vous parliez des, des transformations, des, des consciences et du coup des usages en, ouais. en matière d'achat. Souvent dans les, les médias, on entend cette dualité entre fin du mois, donc les moyens, le pouvoir d'achat et, et fin du monde. Il y, a, il y a quand même de plus en plus d'exemples euh, de produits biosourcés, fabriqués en France, bref, de filières qui se sont organisées pour être capables de, de faire des produits relativement neutres mmh. euh, au, au même prix que des produits venus de l'autre bout de la planète. Il y a même des nouvelles ouais. formes. De consommation. Euh, il y a par exemple la location. Ça, c'est un point euh, sur Millet. Par exemple, on, on fait de la location d'équipement de montagne parce que quand vous partez faire un, un sommet, souvent vous utilisez votre matériel un week-end dans l'année et puis vous achetez une veste très chère pour un week-end. La location permet de euh, donner une, euh, comment dire, un impact à un produit beaucoup, beaucoup plus euh, pertinent et de trouver des solutions de cette nature. Il y a la seconde main aussi, qui font partie aussi de ces éléments-là. Donc, il y a l'amont, et ça, c'est vrai qu'il faut avoir un, un, une influence sur, euh, les, euh, euh, sur les producteurs. Mais il y a aussi la manière dont on gère, euh, euh, quelque part, euh, son cycle de production. Quand on fait, par exemple, euh, quand on, quand on en est sous la pression d'un cycle d'achat, de, de, donc je parle d'acheteurs professionnels qui vous achètent des produits. Souvent, on a tendance à se dire on ne veut pas être en rupture de stock, donc on fait du surstock. Mmh. Et ça, c'est un sujet vraiment majeur pour les investisseurs et pour les, pour les entrepreneurs. Et c'est un coût aussi, d'ailleurs, pour les entrepreneurs ouais. d'avoir un stock. Un hein. coup, mais c'est ouais. un coût surtout environnemental, parce ouais. que qu'est-ce qu'on fait après On revend le surstock en outlet. Euh, donc, on ne le revend pas très cher, mais en fait, on le pousse vers l'extérieur à des gens qu'on n'en pas vraiment besoin. Parce que le surstock, par définition, c'est un stock qui n'était pas, pas lié à la demande, qui est lié à l'offre. Donc, si on réduit le surstock de quelques pourcents, on réduit considérablement l'impact inutile euh, qui existe euh, réellement. Donc, ça, ça fait partie. Il y a plein de petits détails, comme ça, on, on pourrait y passer des heures. Mais, et donc, il faut être assez euh, exigeant en tant qu'investisseur, mais surtout entre, en, en, en tant qu'entrepreneur, pour mobiliser l'ensemble des compétences dans l'entreprise, pour arriver à ce que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça engage tout le monde dans une démarche euh, qui n'est pas simplement symbolique, qui est concrète. Je pense que plus c'est concret, plus les gens ont l'impression de ne pas être complètement à côté de la plaque et vivent un peu mieux le quotidien. Parce que c'est difficile de vivre dans un monde où on vous dit que tout va aller plus mal, la fin du monde, dont mmh. tu il y a deux secondes, et pourtant on, a, bah voilà, on travaille dans une entreprise, est-ce qu'elle contribue à la fin du monde ou est-ce qu'à la fin, elle va quand même faire évoluer positivement les choses tu, tu parlais de, de concret versus le symbolique. J'imagine que dans tous les BP, les dossiers d'investissement que vous recevez, il y a une part plus ou moins importante de la présentation qui est dédiée à la portée RSE ouais. du projet. Comment vous arrivez à appréhender la, la, réalité, la réalité, le concret et l'impact des éléments annoncés dans une présentation C'est une question de trajectoire. C'est-à-dire qu'on n'est jamais parfait et il faut savoir où on va. À un moment T, forcément, il euh, y a des tas d'imperfections. Si ces imperfections sont identifiées plutôt que tout va bien, déjà, c'est rassurant. Et si ces imperfections font l'objet d'un plan avec un certain nombre de démarches quantifiées et euh, sur une organisation euh, qui, qui, qui s'adapte, qui là, c'est rassurant. Mais je dirais quand même une chose symbolique est important quand même. D'abord, il faut des gens pour faire fonctionner les entreprises et les jeunes, mettre le critère de la responsabilité d'une entreprise au plus haut niveau du choix des des, des entreprises qu'ils souhaitent rejoindre la même chose pour euh, la rétention et, euh, et l'attraction des talents et sans talent on fait pas grand chose donc on a quand même nécessairement besoin aussi de dire ce qu'on fait il faut pas dire ce qu'on fait pas parce que c'est vite euh, euh, identifié le greenwashing mais par contre si on fait des trucs sans le mettre en valeur euh, c'est un problème quand même donc le symbolique est quand même important, on, on fait attention à la manière dont les entreprises le disent. Parce que c'est pour ça que je ne voudrais pas être trop sévère sur le thème la RSE, c'est la tarte à la crème. Heureusement qu'il y a quand même beaucoup de communication autour de ça, parce que sinon, ça ne bougerait pas grand-chose. On ne cache pas le carbone sous le tapis euh, quand on parle aux investisseurs. C'est ça. Euh, comment et je pense que ça s'adressera à chacun d'entre vous, mais collectivement et individuellement, comment on peut réduire euh, drastiquement euh, l'empreinte écologique de l'industrie en, en général et euh, de l'industrie sportive euh, plus spécifiquement. Mais je, je vais démarrer avec toi euh, sur ce sujet. Ben, on, on voit que c'est un ensemble de, de solutions en fait il y a, il y a, il y a rarement une solution euh, sur le produit miracle qui aurait aucun impact euh, le recyclage qui serait l'ensemble de la solution le, on, on voit que ben, c'est euh bah, la question de la gestion du surstock, plus euh, la question de, de l'approvisionnement énergétique, plus enfin, c'est un ensemble de solutions souvent et, euh, et juste pour rebondir sur sur la question de, de, de oui, la communication, je pense qu'elle est importante aussi pour entretenir la dynamique. C'est pas que symbolique, c'est que on est des sûr. êtres humains qui fonctionnons de manière assez rationnelle dans nos comportements et dans nos on a besoin les de faire et de faire sens, savoir la course ouais. à la à, à, à celui qui fait mieux, bah, il passe aussi par le fait de, de mettre en valeur ouais. et, et ça c'est très important dans les dynamiques euh, internes ou euh, sectorielles. Donc toi tu parles de trajectoire de réduction d'impact. Alors, alors oui, alors, c'est ouais. pas moi qui parle de trajectoire, <laughs> c'est le GIEC, c'est l'accord de Paris et tout ça. Alors après, euh, moi je suis toujours euh, assez, euh, assez prudent avec ces questions de trajectoire. Évidemment, euh, il, faut, il faut être... Euh, et ces trajectoires sont, sont ultra importantes et je trouve que l'exemple est, est, est super intéressant comment on répond aux besoins d'aujourd'hui mais en anticipant euh, les trajectoires de réduction de d'adaptation du futur et, et comment on innove sur euh, le contexte climatique futur et euh, notre société comment elle va s'introduire là dedans euh, avec, euh, tout en répondant au, 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 clairement aux demandes du client aujourd'hui ouais. euh, Après j, 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 je, je pense et on le voit dans les différents euh, événements de, de, dernière qu'on on est souvent sur des moments de rupture euh, la crise énergétique. Clairement, on n'est pas été sur une transition. C'est-à-dire qu'il y a un facteur émotionnel très fort. Bam euh, On est tous invités fortement à réduire, à faire des, des vraies marches euh, sur ben, les sécheresses qu'on a connues en 2022 euh, dans le sport. Clairement, ça n'a pas été une trajectoire toute progressive. Et je pense que ces moments d'émotion de, de, ou d'événements de, 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 qui créent un... Un, un, un événement culturel ou une transformation euh, peuvent être assez brutales. Et je pense qu'on va. Euh, et plus on multiplier, attend, moins enfin, on fait. Je pense plus ça peut être les projections, de, de, notamment des, des, des travaux du GIEC, vont nous montrer que les phénomènes météorologiques extrêmes, euh, les euh, sécheresses euh, extrêmes et tout ça, vont se multiplier. Donc on va forcément connaître des moments de rupture. Et ça ne va pas être une trajectoire toute, toute euh, linéaire. Et euh, donc après, sur la décarbonation, parce que <laughs> c'est la, 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 la question, il euh, ben y, y a pas mal de choses. Il y a un sujet sur les grands événements, c'est le transport. Euh, mathématiquement, ça ne rentre, autant de transport aérien ne rentre pas dans les limites planétaires ou la capacité de la planète à absorber les émissions de gaz à effet de serre. Tu parles d'incompatibilité dure Là, mathématiquement, mais ce n'est vraiment pas euh, un discours euh, environnementaliste ou écologiste, c'est mathématiquement, ça ne rentre pas. C est, c est, on, peut, on peut le prendre dans tous les sens, euh, même en prenant les réductions de, 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 de 30% des émissions de gaz à effet de serre des avions parce qu'on a augmenté la performance, il faut, il, il, ça ne rentre pas, il faudrait réduire de 80% à peu près. Donc, mathématiquement, il va falloir imaginer nos événements, qui euh, sont moins dépendants des énergies fossiles, notamment du transport aérien, parce que c'est le plus gros poste d'émission euh, quand on ne construit pas. Je peux te poser la question qui t'énerve <laughs> Allez-y. <laughs> Je sais qu'elle t'énerve, mais ça veut dire, si on t'écoute, que demain, on ne transporte même plus les athlètes et qu'on n'a plus d'athlètes sur les événements. Alors, oui, ça m'énerve, parce qu'en fait, le... le c'était avec bienveillance. Le, hein. le, oui, oui, bien sûr. <laughs> le, plus, euh, le plus gros poste d'émission de gaz à effet de serre, qui est le transport aérien, il est généré par une toute petite population et en fait si on, ça ne veut, veut pas dire ne plus avoir personne dans les stades donc si déjà on réduit la part de la petite part du, 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 des spectateurs qui viennent en transport aérien euh, qu'on réduit euh, le nombre de déplacements pour les entraînements pour Le staff, les officiels et tout le qui, qui viennent sur l'événement, en fait, euh, je pense que on a des marges de progrès assez fortes avant de dire euh, les athlètes ne viennent plus sur, euh, sur l'événement. C'est à dire que demain, il faudra plus voir un événement comme une source de profit potentiel. Si, si tu as moins de touristes qui, qui, qui viennent sur, euh, sur un pays pour. Euh, alors un... ça, c'est vous ouais. qui le dites. Moi, je ne suis pas complètement, question, je... Je... Non, mais mais... pas complètement sûr. Non, mais je pas complètement sûr. Enfin, en tout cas, sur Paris 2024, est-ce qu'il y aura euh, une, un... des retombées économiques beaucoup plus importantes qu'un été normal, parce que c'est un pays particulièrement touristique. touristique ouais. euh, Paris. Donc, euh, mmh. les... la balance est. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se dire euh, si on fait venir moins mmh. de spectateurs euh, sur des JO, des, des JO à Paris euh, qui viennent en avion, euh, ça va réduire les retombées économiques du tourisme ou, ou de l'événementiel euh, sur, sur Paris. Mmh. Je, je, ça, je, je vous laisse. Bah, là, on parle du tourisme. Enfin, ouais. C'est-à-dire que le sport ne peut pas prendre sur son dos toutes les euh, pratiques euh, humaines, y compris d'ailleurs euh, le transport euh, aérien. Euh, je, je, je pense que, en fait, s'il y avait que les athlètes qui voyageaient, ça irait très bien. Euh, le problème, c'est le tourisme de masse qui est devenu euh, un, une machine infernale euh, globale. Mais je dis ça simplement parce que le sport euh, euh, est, est, est un reflet de la société incontestablement. Et c'est vrai que les grands événements, c'est un moment où on se dit, tiens, il y a des gens qui voyagent. Mais en fait, les 100 millions de visiteurs euh, en 2023, ils étaient déjà là, il n'y avait pas les Jeux Olympiques. Donc, ce c'est pas, pas pour dédouaner le sport, c'est juste pour qu'on n'ait pas cette charge mentale monstrueuse. Et je le dis d'autant plus que ce qu'on est en train de faire dans le sport, c'est bien. C'est-à-dire qu'on réfléchit euh, à comment améliorer les choses. Mais de temps en temps, on a tendance à culpabiliser considérablement. Et je pense qu'il faut, et c'est là où je reviens sur l'impact positif, je prends l'exemple de la voile parce que c'est intéressant. Euh, c'est vrai que quand on regarde l'impact d'une course euh, océanique, en fait, ce n'est pas le transport euh, aérien, parce que c'est des courses un peu plus euh, hexagonales, c'est le transport des voyageurs en voiture pour un euh, million de personnes euh, assistées au départ du Vendée-Globe ou de la Rodure. Mais c'est ça l'impact majeur dans le bilan carbone d'un événement. C'est euh, 70% de l'impact carbone, ça vient du transport euh, euh, routier des gens pour se rendre à l'événement. Et puis la partie euh, construction de bateaux, c'est beaucoup plus petit. Néanmoins, comme les bateaux sont faits en carbone, alors décarboner par le carbone, c'est toujours un peu un paradoxe, mais n'empêche que ces bateaux, je l'évoquais tout à l'heure, ils sont durables, et surtout, et c'est ça le point le plus important, en fait le sport, ça sert à quelque chose. Alors ça sert à se faire du bien physiquement, mais ça sert aussi à innover, parce qu'on est dans une compétition qui nécessite de la performance technologique, et la performance technologique de, du, du, du sport nous tire vers des innovations qui sont précurseurs. Pour, euh, pour d'autres industries. Et dans le cas de la voile, c'est les innovations qui permettent aux bateaux d'aller à 50 nœuds, c'est-à-dire à 100 km/h, sur des foils avec des mâts pilotés par un homme seul, qui permettent maintenant d'envisager la transition énergétique du transport maritime. 85% de nos euh, marchandises importées en France et exportées d'ailleurs passent par le transport maritime. Ça a un impact carbone considérable c'est des bateaux qui sont tous. Euh, Propulsés par euh, des, euh, des hélices euh, qui elles-mêmes ai fonctionnent aimé, avec ouais. des énergies fossiles. Comment euh, on aura un foil devant les grands. Euh, il ouais. y a 150 ans, et pendant 5000 ans, on avait des mâts sur les bateaux, parce qu'il y a du vent partout, c'est une énergie gratuite et renouvelée, permanence. Et puis, depuis qu'on a inventé le, les machines fossiles, on a remplacé les, les mâts par des euh, machines. Et on a fait au passage une réduction d'équipage, parce que pour le moment, un équipage de cargo, il y a 10 personnes. Avant, il y avait 700 personnes pour manœuvrer les voiles d'un trois-mâts. Aujourd'hui, avec les technologies développées par la voile de compète, on est en train de changer ça. Il y, a une, il y a un mouvement. Il y a eu même un, un pacte formel qui a été signé par le ministre de l'Industrie et le ministre de la Mer avec l'industrie dont la voile océanique et les industriels de la voile océanique font partie au, au, au premier chef, parce qu'on est en train de réinventer le transport maritime à la voile de demain. En mer, on peut pas euh, se connecter sur le réseau. Pas encore. Donc, on se connecte euh, <laughs> sur les alizés. Et c'est très sérieusement un moyen qui va permettre d'aller vers euh, la décarbonation de transport maritime. Donc, la, le, le sport sert à quelque chose. Et donc, l'impact positif, faut en parler. Ouais. Ah, oui, oui. Alors, sur, sur les folles, je mettrais juste le, le bémol parce qu'on a un vrai problème d'impact de, de, sur la biodiversité marine. Hein. C'est clairement des la, lames de rasoir qui... Euh, Alors, c'est vrai. Euh, qui euh, qui filent à une vitesse où les cétacés n'ont pas le temps où les poissons lune n'ont pas le temps de, de les éviter donc on a on a quand même ce problème-là et si on a tous les bateaux qui se qui se développent avec ça on va on va avoir un problème alors le euh, problème est, est, est nu. il y a des innovations voilà euh, voilà et on, on est en train de travailler sur des sonars et des, et pour et des systèmes travailler un de capteurs de marins, euh, effectivement ils sont, ils sont en train sont, de bosser là-dessus ultra là-dessus et puis après je, je, il faut que ces solutions technologiques euh, s'accompagnent de solutions aussi de de, de de revenir à une sobriété dans euh, les, les, nos consommations. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de décarboner l'industrie pour transporter euh, clairement des merdes qui, euh, qui ne sont pas utiles. Euh, donc il y a un côté où il faut que l'ensemble. On, on en on direct, a... on n'a pas pu mettre de bip. Oui, pardon. <laughs> faut... Mais euh, alors, on, on montre que systématiquement, euh, les innovations nous permettent d'ajouter des consommations. Plutôt que de remplacer des, des consommations plutôt fossiles. Mmh. L'énergie euh, euh, renouvelable s'additionne aux autres euh, productions d'énergie. Euh, voilà, donc euh, si euh, effectivement ça perd, il faut. Enfin, il voilà, y a les deux. A les deux euh... Tout est une question d'équilibre et de. Oui, Chloé. Non, non, mais en rebond, effectivement, je partage que l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est quand même euh, la meilleure économie. Et c'est pour ça qu'on regarde les consommations et l'intérêt aussi de consommer électrique, c'est qu'on peut mesurer ces consommations électriques, les observer et prendre, euh, prendre les, les actions pour, par exemple, euh, moins consommer entre deux événements dans, dans un stade. Donc, euh, enfin, de manière très pragmatique, effectivement, euh, je partage tout à fait que l'énergie qu'on ne consomme pas, euh, c'est la meilleure économie. Euh, mais pour revenir euh, peut-être euh, sur, sur les sujets d'innovation et. Et avant, euh, puisqu'on parlait de charge mentale du secteur de l'événementiel sportif, je pense que le, le sujet de, de la responsabilité de toutes les entreprises et de l'entreprise et de, de, de l'industrie euh, face au changement climatique, elle, elle, est, elle est globale euh, et il faut que tout le monde y travaille. Euh, et peut-être déjà le premier pas, c'est d'en prendre conscience. Euh, et déjà là, c'est des choses très accessibles euh, pour être très concret chez chez Nedis. Euh, parmi les 40 000 salariés, pratiquement tous ont fait la fresque. Du climat, bah bah c'est déjà euh, de manière concrète euh, s'interroger voilà, sur ce qu'on peut faire chacun en fait dans notre quotidien euh, et les le sport aussi. Euh, je, je rebondis sur l'innovation parce que Enfin, C'est des échéances formidables pour accélérer en fait les démarches d'innovation. Typiquement, euh, enfin, j'aimerais bien qu'on vienne sur les deux grandes innovations euh, qu'on euh, qu met en œuvre ouais, oui, pour les Jeux. Alors c'était engagé bien avant les Jeux, mais ouais. euh, ça, ça s'est vu ça accélérer accéléré, ouais. euh, parce que euh, quand il y a une échéance, euh, une échéance événement sportif, on, on la bouge pas. <laughs> C'est très rare en tout cas, euh, et donc tout le monde est obligé de s'aligner sur, sur, sur ce tempo-là. Euh, donc, paradoxalement chez Nedis on utilise beaucoup de groupes électrogènes parce que quand il y a des tempêtes, quand le réseau est par terre, comme on dit chez nous, euh, bah pour que les clients continuent à avoir l'électricité, on met en place des groupes électrogènes. Et donc nous-mêmes, comme entreprise responsable, on travaille sur notre bilan carbone et on a la même complexité que Jean-Marc, même si on est une grosse entreprise, c'est qu'il faut travailler sur notre bilan, souvent sur des leviers où il est difficile d'y avoir accès. Et on travaille aussi, comme vous, sur les achats finalement pour travailler avec nos fournisseurs et qu'ils puissent eux-mêmes travailler sur leur bilan carbone. Et quelque chose qui est assez assez important pour nous, c'est de travailler justement sur notre consommation fossile et donc réduire l'empreinte de de nos groupes électrogènes. Donc, on travaille depuis plusieurs années avec une dizaine d'entreprises qui fabriquent ces groupes nouvelle génération. Donc, euh, pour le faire rapide, parce qu'on est assez passionné, mais pour en parler des heures, on a soit la technologie batterie. Euh, donc, c'est comme la batterie de votre téléphone, mais en beaucoup plus gros. Et puis, on a la technologie hydrogène euh, où là, c'est un autre notre euh, technologie. Et, euh, et donc, euh, il y a quelques années, euh, on était dans des perspectives de développement. On avait déjà des machines et à l'occasion des jeux, on c'est Dit, il faut qu'on faut qu accélère pour pouvoir être en capacité de prêter ces machines pour les jeux, pour faire rayonner la filière industrielle française à l'occasion des jeux, et montrer que c'est possible. Alors, c'est pas encore des machines complètement industrielles, et dans une complémentarité aussi, parce que souvent, on se dit, euh, enfin, j'aime beaucoup Maël qui dit, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est pareil euh, si vous êtes au fin fond du, du château, de, du parc du château de Versailles, euh, amener des câbles pour une journée d'événement, euh, faire des tranchées avec les bilans carbone associé à ces travaux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il est plus intéressant de mettre en place ces grosses batteries, donc ces groupes électrogènes zéro émission. Et, et c'est ce qu'on va faire pour les jeux. Tu parles d'événements qui parfois se tiennent sur une journée ou espacés les uns des autres. Vous avez aussi développé des bornes électriques événementielles. Oui, alors c'est aussi, puisque le réseau électrique, vous l'imaginez, j'en ai parlé au début, c'est des choses qu'on développe qui sont conséquentes. Ça demande des travaux. C'est pas très flexible, en fait. Quand vous demandez de l'électricité, ça prend du temps. Et donc, une des difficultés qu'avaient les organisateurs d'événements sur les grandes places publiques, c'est que quand ils demandaient de l'électricité à Enedis, bah, ça prenait six semaine voire plus, parce qu'il faut dérouler le câble, ouvrir la chaussée. Vous imaginez ce que je vous ai raconté sur votre cuisine, sur la voie publique. Et à chaque fois, il fallait dérouler le câble Exactement. et après l'enlever aussi. Exactement. Euh, avec toutes les nuisances euh, <laughs> qu'on connaît tous au quotidien quand on, on est dans, dans l'espace public. Mais ça, c'est... Fini, ou presque Alors en fini. tout cas, euh, pareil, <laughs> accélération. Cours. Donc euh, en fait, ça a été poussé euh, au début par des organisateurs de défilés de, de mode dans Paris qui souhaitaient avoir décarboné euh, leurs événements et avoir euh, des dispositifs de, de donc ces bornes électriques. Donc c'est comme un gros frigo euh, avec une multiprise à l'intérieur, mais avec des grosses puissances hein, et qui va se, se qui est rétractable, donc qui va être dans le sol, donc vous ne voyez pas euh, quand on n'en a pas besoin et qu'on sort au moment de, de l'événement. Et donc pour un organisateur d'événement, euh, ça veut dire bah, finalement 48 heures avant euh, j'appelle mon fournisseur d'électricité et euh, derrière euh, la borne va sortir et je vais pouvoir me brancher dessus. Et donc au lieu d'avoir 6 euh, semaines d'attente avec toutes les aléas euh, qui sont quand même assez euh, anxiogènes pour un organisateur d'événement, euh, on a une solution euh, qui est euh, pratique et, et qui va se déployer euh, à l'occasion du relais de la flamme puisqu'on euh, c'est déjà, enfin, déjà déployé, vous imaginez bien, hein, que le relais de la flamme... Ça ça commence le 8 mai, mais on va avoir cette démonstration dans plusieurs villes en France de cette, cette technologie qui est déployée à l'occasion des Jeux, mais qui va s'installer partout où c'est nécessaire et possible. Tu parles d'innovation, euh, on parle de transformation aussi, Jean-Claude, tout à l'heure, avec tout ce que vous avez mis en place. Euh, souvent on évoque aussi le fait que bah, les donneurs d'ordre demain euh, feront euh, de tous ces critères rse euh, un incontournable pour pouvoir euh, gagner déjà répondre et gagner euh, un appel d'offres. Euh, aujourd'hui encore beaucoup à faire quand même en la matière et c'est peut-être aussi là aujourd'hui l'occasion de le dire de le partager pour faire bouger les mentalités pas que sportives. Oui, c'est vrai, il y, a, il, y a des, il y a des initiatives qui ont été prises. Hein, il y a la, joie, la loi AJEC, notamment, qui est, qui est sortie, qui, qui touche la partie collectivité. Nous, on, est, on travaille beaucoup avec les collectivités, hein, pas, avec le, pas avec le grand public. Et c'est vrai qu'il euh, qu y a un, peu un certain nombre de choses, mais on s'aperçoit mais qu'on est vraiment au balbutiement et qu'il et qu reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Sur les, sur les appels d'offres, par exemple, la dimension euh, euh, écologique, entre guillemets, euh, au sens large, RSE, euh, décarbonation et autres, elle est mise dans les appels d'offres, mais très honnêtement. Euh, pff, pour L'instant, il faut juste euh, envoyer du papier, quoi donc euh, voilà. Et j'ai envie de dire, même, même sur les JO, je suis désolé, mais nous on n'a pas répondu, euh, on n'a pas répondu à des appels d'offres des JO parce que parce qu'on ne travaille pas en direct. Euh, mais néanmoins, moi j'ai regardé, j'ai consulté euh, les appels d'offres des JO. Je suis désolé, mais la note sur, le, sur la décarbonation c'était 10%. Moi, si j'avais répondu à un appel d'offres, ça pesait 10% sur, 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 sur la note finale. Donc, donc euh, pour l'instant, alors je ne je, je dis pas qu'il faut rien faire, je dis juste qu'on est vraiment au début et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin encore à faire sur ce sujet-là. En tout cas, on peut peut-être monter euh, l'importance de, de ce critère-là. En tout cas, mais, euh... mais, mais je te vois, je te verrai. <laughs> Ce qui me fait une bonne transition, parce que tu as, as travaillé sur le, le rapport intermédiaire de l'héritage de Paris 2024. Je veux que tu nous partages les quelques, premières, les quelques premiers apprentissages. Oui, alors on, on s'est intéressé à ce qu'on appelle l'héritage immatériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, calculé effectivement le nombre de sites euh, événementiels qui ont été euh, raccordés au réseau euh, ou des, des, des aimants euh, euh, physiques. Euh, mais sur l'héritage immatériel, et on, on, on s'est euh, basé sur, euh, alors je vais faire très, très schématique, mais sur la méthodologie de transformation des, 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 des comportements ou du facteur humain. Euh, C'est pour passer à l'acte, euh, grosso modo, il euh, y a euh, bah, la prise de conscience du sujet, euh, la en compétences, euh, la, la, la norme euh, la norme subjective qu'on a est, est ce que c'est normal ou pas de le faire et on a essayé d'évaluer les à la fois les ambitions et les actions de paris 4 donc la, la stratégie achat responsable euh, les, les engagements au niveau alimentation et tout ça euh, est-ce que ça a eu un, un, une contribution à la transition euh, écologique du secteur gros, réponse -ce que c'est euh, voilà donc euh, <laughs> donc on, le gros enseignement, c'est que c'est plutôt les grands engagements qui ont été rappelés et rappelés euh, au niveau euh, ben, de, de Tony Estanguet ou de plus hautes décisions sur la sobriété, sur les engagements euh, sur le vélo, sur, euh, sur, sur pas mal de choses, qui ont fait que euh, les, euh, les chaînes de valeur ont, intégré, ont monté en compétences. Et plutôt en intégrant des compétences qu'en se formant. C'est ce qui ressort, c'est que finalement. La prise de conscience était déjà là et c'était tellement dans la candidature marquée que finalement, euh, ceux qui sont partis avec Paris 2024 avaient déjà cette fibre-là. En tout cas, ça a matché plus sur ce mmh. sujet-là. Euh, ça n'a pas obligé euh, des milliers d'acteurs à, à complètement se transformer. C'est l'idée. Exactement. Il y, a, il y a un impact sur le fait que, que c'est. Euh, qu'on que a confiance, on est en, en, en capacité de le faire. Euh, et Paris 24 a créé des outils pour ça, pour essayer de, de faire monter le on est capable de le faire chez, chez, ouais. chez tout à chacun, Enfin, chez tout et chacun du, 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 des parties prenantes. Euh, le gros impact, c'est de dire, bon, bah, ok, on monte en compétences, on se forme, on, on, on intègre des, des nouvelles compétences en recrutement et tout ça. Et euh, un impact aussi sur c'est normal de le faire dans le, dans ouais. le secteur. Et après, Il y a quelques années, quand ouais. dans la candidature et que. Par les sobriétés, c'était avant euh, les, la, la crise énergétique. Hein. Oui. Euh, l, l, quand la candidature est sortie, d'acter sur la sobriété, c'est pas si évident, c'était pas si sexy que ça. Et ça a normalisé le fait, enfin, ça a participé à normaliser le Mais fait. Mais ça crée que une, que une nouvelle la... référence ouais. aussi, du coup. Ah oui, complètement. Ça crée hein. un, une nouvelle, un, un nouveau niveau d'exigence. Oui, quand, quand je parle de normes subjectives, ouais. c'est la, 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 mmh. normal de faire, c'est mmh. effectivement. Euh, donc, on a des acteurs, si, si je résume, qui étaient déjà assez engagés, euh, qui ont été sélectionnés. Après, ça donne peut-être des idées à ceux qui n'étaient pas suffisamment. Alors, un effet démonstrateur. C'est évidemment euh, ouais. un des gros bénéfices des grands événements, c'est que c'est un effet démonstrateur. Est on est, si on est capable de le faire sur les jeux, on est capable de le faire euh, ailleurs. Mmh. Euh, donc, il y, y a ce côté-là. Après, il y a... Il y a plein de choses aussi encore à améliorer sur Paris 24. Je ne voudrais pas faire un tableau uniquement positif. Oui, oui. Euh, on a parlé de la pollution plastique. Un certain nombre de choses sont encore, sont encore à, à faire évoluer. Mais, mais, mais quand même, il y a peu de moments où les grandes idées se concrétisent de manière mondiale. C'est-à-dire que souvent, c'est des projets qui sont localisés assez logiquement. Et, et donc, on, voit, on mesure et puis après, on essaie de faire... Euh, de, de, de partager euh, les, les résultats. Là, en temps réel, on a quand même une démonstration euh, mondiale et une organisation, euh, le CIO, derrière, qui va imposer des normes qui vont qui évoluer. vont rester. Parce que c'est un, un crantage, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose, quand on voit d'où on vient, parce que c'est un point important. Ouais. Tout à l'heure, je, je, moi, j'essaie de mettre un peu d'optimisme. C'est vrai, quand on regarde ce qu'étaient les Jeux Olympiques il y a encore euh, 10 ans. Euh, il euh, n'y avait en effet aucune prise de conscience de toute une série d'impacts de, euh, de, 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 qui aujourd'hui sont beaucoup mieux compris, mieux maîtrisés et qui vont s'accélérer aussi, parce que je pense qu'on gagne aussi énormément de temps. Tout à l'heure, euh, Chloé disait ça, je pense qu'il y a une, une telle, euh, un tel impératif de réussite à un moment donné devant tout le monde, c'est comme une scène de théâtre, hein. on doit réussir le moment euh, X. Et à partir de ce moment-là, par contre, ça devient la norme pour la suite. Je pense oui. que c'est un point très important. Là-dessus, euh, sur la question de la norme, en tout cas sur la dimension électrique, on a déjà été contacté. Moi, j'étais déjà contacté par mes homologues de Los Angeles pour les Jeux de 2028 qui sont déjà eux, qui sont dans la conception euh, de l'événement euh, et qui veulent euh, reprendre les meilleures pratiques. Donc je, je pense qu'on a quand même créé une référence pour l'avenir, c'est la nouvelle marche. Après, mmh. il, comme dit Maëlle, il reste encore beaucoup de choses à faire euh, sur tous les plans. Donc euh, enfin, c'est une question de trajectoire finalement. On, on va aller, je vous parle juste de trajectoire, on va aller vers les questions tout doucement euh, des auditeurs. Je voulais juste réagir à un... Sur ce dernier point, mais oui, ben, la norme, c'est, alors que c'est, euh, ça, ça embarque effectivement. Euh, après, le modèle de Paris 24, il est, euh, j'allais dire, entendable au niveau de, euh, au regard de, 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 de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'accord de Paris, mais parce que on est en 2024, euh, il faut continuer à réduire mmh. et en 2030, 32 euh, et, et, et après, il va falloir continuer. Et le modèle d'aujourd'hui qui est entendable, n'est plus... Euh, ne le sera pas demain. Voilà. Et puis, euh, juste peut-être pour... Euh, je, je suis désolé si, si je, je suis trop long, mais euh, juste avoir quand même cette, cette vision-là. On parle beaucoup d'atténuation, de réduction euh, de l'impact. Euh, il faut, dans les projections des événements, des entreprises, intégrer aussi l'adaptation au changement climatique. On va avoir un certain nombre d'effets de, 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 du changement climatique, hein, la réfraction des ressources, euh, voilà, un certain nombre de risques environnementaux Sur nos activités, typiquement, quand évoqué les x4 de, de ces sécheresses, pardon, ça, ça posait la question de maintenir ce type d'événement en plein été mmh. euh, et aussi pour des industriels qui travaillent autour du sport se poser la question des futurs usages en cas de sécheresse et donc notamment les piscines et peut-être d'autres activités qui vont, qui vont monter. Bah, oui, c'est exactement ça. Il faut, il faut intégrer. Euh, pas uniquement les, les, les trajectoires de réduction, mais le contexte climatique futur. Et les piscines est un bon exemple, c'est-à-dire que dans ces périodes de 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 de, 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 de projection climatique, en fait, on, on va avoir des problématiques de ressources en eau, mais on va avoir aussi des problématiques de de, de 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 résilience des populations à subir ces moments de canicule. Donc pour moi, par exemple, les piscines, les zones de baignade vont devenir des lieux stratégiques pour et si on parle de Paris 2024, clairement, la baignabilité de la Seine, euh, le, le point de fraîcheur, est-ce que ça va On va pouvoir faire les épreuves ou pas euh, J'en sais rien. Et à la limite, je vais dire, je m'en fous. La réalité, c'est que Paris 2024 a fait passer un cap en termes de, de dépollution de la Seine, qui est qui est fabuleux. Et, et finalement, est-ce que les poses preuves mmh. vont pouvoir se régler C'est un, un autre mmh. sujet. Et le troisième point, donc pour moi, il y a juste l'atténuation et l'adaptation. <laughs> je suis trop long. Mmh. Mais il y a aussi la question de la contribution. Du sport à ces enjeux de transition écologique et ça conditionne l'acceptabilité des populations à, avoir, à continuer à avoir ces événements. C'est-à-dire que ça va se, le, le, le fait qu'un qu événement ou un stade ou, ou un site sportif peut consommer de la ressource en eau va être jugé sur la, la contribution perçue de les, de, du, du site à la transition écologique on dit souvent on est dans un monde fini avec des ressources finies et en fait c'est pareil pour une émission il y a un temps fini <laughs> euh, mais merci on aurait, pu, on aurait pu passer des heures peut-être juste euh, Jean-Claude ça veut dire que demain euh, ce sera moins des buts de foot en extérieur que euh, du water polo ou, du, euh, ou des buts euh, on s'adaptera <laughs> <on s 'adaptera. rire> euh, j'ai quelques questions euh, posées par, par les auditeurs et les spectateurs je vous les partage je les découvre avec vous donc euh, on, qui veut répondre euh, me fait un signe euh, Comment envisagez-vous l'évolution des matériaux et des procédés de fabrication dans l'industrie sportive Peut-être euh, Jean-Claude euh, Alors, moi, je, moi, je suis, je suis, je suis enfin, j'espère en tout cas que, que la décarbonation de l'acier et de l'aluminium euh, va, va vraiment devenir une réalité. Une, vraiment, là, aujourd'hui, on est, on est sur 2 sur kg de, de, de carbone par, 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 ah. par kilo d'acier ouais. ou d'aluminium. Euh, voilà, Le, le fait euh, peut-être d'avoir des énergies euh, comme l'hydrogène et autres, euh, on peut espérer quand même que, que l'empreinte carbone euh, baisse. Euh, parce que ça reste quand même néanmoins euh, pour l'instant. Alors je sais qu'on parle de plein, de plein de nouveaux matériaux comme le carbone et autres, mais, mais, mais je pense qu'à l'échelle, qu 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 en tout cas nous, nous c'est du matériel pour les collectivités, euh, pour, euh, pour de l'accès euh, de, de euh, aux équipements, de l'accès libre aux équipements. Donc, donc on reste quand même pour l'instant encore sur les matériaux traditionnels. Ça va durer encore un petit peu, je pense. Bah, les matériaux composites sont quand même au cœur euh, de l'amélioration de la performance depuis 30 ans. Il hein. ne faut pas l'oublier. Si aujourd'hui on, on bat des records, c'est parce qu'on a euh, un matériel qui permet d'évoluer, que ce soit euh, le tennis, le ski, le cyclisme, euh, la voile, la perche, euh, le handisport. Enfin, toutes, toutes ces industries utilisent des matériaux de composites. Donc les composites. Euh, c'est euh, traditionnellement issu de la pétrochimie, donc c'est un sujet majeur, je pense, pour la responsabilité de l'industrie du sport, y compris les textiles d'ailleurs, euh, et par conséquent, et la recyclabilité et la capacité à peut-être évoluer aussi dans les fibres, en allant chercher de la fibre naturelle. Alors, de temps en temps, on ne voit pas que derrière la fibre naturelle, il y a aussi la surexploitation des sols, etc. Donc, tout est une question d'équilibre. Euh, le lin, par exemple, euh, est et euh, contredit dans certains endroits parce que ça va prendre la place sur d'autres types de, 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 de cultures. Lucien, le... garde le ballon. Ouais. J'ai une question pour, pour toi de la, de la part de l'audience. Euh, Pouvez-vous nous expliquer comment votre fonds sélectionne les entreprises à soutenir dans le cadre de sa stratégie durable on a clairement euh, un, un certain nombre de... C'est un peu comme un appel d'offres. Hein, on a un certain nombre de paramètres à intégrer, euh, mais je dirais que qu'on met beaucoup plus que 10% sur ce sujet-là pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, le marché, il est porté par une demande, et la demande, elle est euh, totalement influencée par l'opinion publique. Je, je pense que le point commun de toutes les générations à venir de tous les pays, c'est la compréhension de cet enjeu pour la planète qui est l'avenir de nos enfants. Je pense qu'il suffit d'entendre ces enfants pour prendre en tant que chef d'entreprise des décisions de conviction sur l'avenir. Et donc, ça prend une place considérable. Parce que quand on investit, ce n'est pas pour une ou deux années, c'est souvent sur le long terme. Et par conséquent, dans le long terme, on sait qu'on y va. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va accélérer cette transition, que la demande d'évolution va être de plus en plus pressurisant de l'opinion publique et donc des consommateurs. Donc euh, je pense que même dans le cas des euh, commandes publiques, euh, le consommateur étant citoyen, je pense que le décideur de la collectivité locale va entendre de plus en plus le citoyen qui réclame plus d'exemplarité de, de ce côté-là. De toute dernière. Question rapide réponse rapide. Chloé, pensez-vous que les organisateurs d'événements et le monde du sport en général pourront s'inspirer du modèle des Jeux pour réduire leur empreinte carbone et proposer des modèles durables ben, Je pense qu'ils le font déjà en fait. Hein. C'est le cas de ce qu'on a observé cet été sur les festivals. Alors c'est pas des événements sportifs, mais c'est des événements culturels qui se passent en France partout en France. Et il y a déjà un pas qui a été franchi euh, très important. Donc, euh, donc euh, oui, c'est la démonstration est à venir, mais il y a déjà un chemin qui est, euh, qui est parcouru par les organisateurs d'événements. Maëlle, quel conseil donneriez-vous à une jeune entreprise sportive souhaitant intégrer la durabilité dans sa stratégie D'intégrer le contexte climatique et les trajectoires de réduction dans son, ses projections. C'est-à-dire que pour moi, toute stratégie de développement qui n'intègre pas le contexte futur et une stratégie qui, qui, qui est à côté de la plaque, qui, enfin, qui risque d'être, euh, euh, j'allais dire, décorrélée de la réalité. Et encore une fois, sur les enjeux climatiques, on parle à chaque fois d'horizons temporels de 2050, 2100, mais on voit qu'il suffit d'une énorme sécheresse pour qu'il y ait des effets de bascule et que la solution qui, effectivement, ne soit pas très rentable aujourd'hui devienne la solution que tout le monde veut. Parce que euh, on a une réalité euh, de euh, exigences euh, réglementaires sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou euh, de réduction de consommation d'eau. Donc voilà, le principal euh, sujet c'est ça pour moi. À mon tour de mettre ma pierre à l'édifice. Euh, je vais recycler mes propres propos. Euh, nous vivons dans un monde fini, des énergies euh, finies. Et cette émission est également finie. Merci à tous les quatre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous très prochainement dans une nouvelle causerie des meneurs. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis.